teacher. Bonsoir, bonjour chers amis de la bibliothèque Tourguenev. Je suis ravie de vous accueillir à notre dernière séance que nous avons co-organisée avec la bibliothèque universitaire des langues et des civilisations, avec la fondation Zimin et le prix Prosvetitiel. Nous accueillons ici également nos collègues d'INALCO et je suis très heureuse d'accueillir Lénor Goralik qui est venue aujourd'hui chez nous exprès d'Israël pour parler des questions actuelles du processus littéraire. Et on peut dire que cette rencontre peut également être inclue dans notre cycle « Le nouveau Tamizdat ». On en parlera encore. Mais comme nous sommes reçus par Bulac, par la Bibliothèque universitaire des langues et des civilisations, où je m'occupe du fonds russe, je voudrais vous dire en quelques minutes que n'importe qui parmi vous, qui a déjà 18 ans, peut venir dans cette bibliothèque, peut s'inscrire, et même sans être étudiant ou professeur de certaines universités qui peuvent emprunter les livres, vous pouvez lire les livres ici de 10h à 22h tous les jours, sauf dimanche. Ici, nous avons 138 000 livres russes, et des nouveautés littéraires, nous les faisons venir ici, y compris celles qui appartiennent au nouveau Tamizdat. Un autre co-organisateur de cette soirée, c'est la bibliothèque Tourguenev. Je crois que tout le monde sait déjà que l'année prochaine, elle va fêter ses 150 ans. C'est la bibliothèque qui a été fondée avec la participation directe de Tourguenev, voilà, qui se trouve 11 rue de Valence. Vous pouvez venir le mardi, le jeudi, le samedi, de 15h à 19h, et vous inscrire pour 1 euro par mois et emprunter des livres en russe, y compris des livres du nouveau Tamizdat. Pour commencer cette soirée, je voudrais vous lire un texte. Je ne vais pas mentionner la date exprès et nous allons deviner quand elle a été écrite. Il s'agit de l'imprimerie russe libre, par exemple comme l'imprimerie israélienne Livre Sefer. Ils ont pris l'une des phrases comme la devise de leur imprimerie, mais j'ai décidé de lire tout le texte. « Mes frères russes, pourquoi nous taisons-nous? Est-ce que nous n'avons rien à dire? Est-ce que nous nous taisons parce que nous n'osons pas parler? À la maison, il n'y a plus de place à la parole russe libre, mais elle peut résonner à l'extérieur si seulement son heure est venue. Je sais à quel point c'est difficile pour vous de vous taire, à quel point c'est difficile de cacher toute idée, tout élan. La parole libre, c'est une grande affaire. Sans parole libre, il n'y a pas de personne libre. C'est pour elle que les gens risquent leur vie, que les gens abandonnent leur patrie. C'est seulement ce qui est faible, ce qui est mature, qui garde le silence. Quand on dit que le silence est le signe de l'accord, c'est pour exprimer la soumission. Mais le mot ouvert, le mot libre est déjà une action. Il est temps d'imprimer en russe, mais comment pouvons-nous imprimer en russe? Mais si on reste tous assis à tourner les pouces, si on se limite à notre noble indignation, alors les jours libres, les jours lumineux ne viendront pas en Russie longtemps. Rien n'est fait sans effort, sans volonté. La volonté d'une personne est très grande. Demandez comment font nos frères polonais qui sont plus opprimés que nous. Est-ce qu'ils n'envoient pas en Pologne pendant 20 ans tout ce qu'ils veulent en passant outre les chaînes des gendarmes?
Et maintenant, avec leur étendard sur lequel est écrit pour notre et votre liberté, ils nous tendent la main, ils font trois quarts de travail à notre place et le reste, c'est à nous. Et donc, à partir du 1er mai, je ne vais pas dire l'année, l'imprimerie sera ouverte. En espérant de recevoir quelque chose de vous, je vais, pour commencer, imprimer mes propres écrits. Ce n'est pas tellement que je veux dire des choses, mais je veux plutôt utiliser ma situation pour donner la voix à votre idée dissimulée, à votre intention cachée, pour les transférer à nos frères qui sont perdus dans le lointain muet du royaume russe. Et nous allons chercher ensemble la solution pour que les événements, les menaces qui croient à l'Ouest ne nous laissent pas sans force. Et cela, ça a été écrit par Alexandre Gersen à Londres en 1853. Quelles idées cela vous provoque, Lénore? À part les références assez claires, qui n'ont pas besoin d'être dites parce que chacun dans cette salle a les mêmes chaînes d'association, j'ai des idées qui sont importantes pour moi. Je n'aime pas quand on change le sens de quelque chose. Et ici, si on commence à jouer ce jeu en disant que le texte ressemble tellement à notre réalité, on va quand même modifier le sens du texte. La Russie n'est pas muette, la Russie ne garde pas le silence. En Russie, il y a des processus culturels très importants qui ont lieu, y compris des processus littéraires. Et on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, la société russophone en dehors de la Russie peut imprimer, peut annoncer quelque chose en Russie, en passant outre des chaînes des gendarmes, de délateurs. Je connais ce discours. Et il m'est antipathique parce que je publie Roar et je sais combien nous avons d'auteurs en Russie. Je sais que nous en avons beaucoup et je n'aime pas jouer au jeu qui dit que la pauvre Russie est obligée de garder le silence, mais nous, on parlera à sa place. C'est une illusion mégalomane et je comprends que les gens qui en souffrent ne sont peut-être pas présents ici, mais je croyais quand même important de le dire. Et à part cela, il est triste que nous sommes ici de nouveau, que nous sommes encore à nous demander comment on peut distribuer des livres russophones en Russie, mais je crois que c'est une question technique et que par rapport à Gersen, nous sommes dans une position privilégiée parce que nous avons des ressources en ligne que Gersen n'avait pas. Pourtant, on envoyait quand même des textes dans les revues Cloche de Gersen, et justement c'est cela qui prouvait que la Russie n'était pas muette. C'est pour cela que je dis que c'est quand même un jeu assez dangereux que la citation. Le Tamizdat, le vieux Tamizdat soviétique, est-ce que vous l'avez lu? Comment vous avez pris connaissance de cela? Il faut qu'on se souvienne que je suis une personne qui a vécu une vie très provinciale pendant très longtemps. Et peut-être il est important de dire qu'avant mon déménagement en Israël, je suis montée en Israël quand j'avais 14 ou 15 ans.
Et j'ai commencé à lire donc à 14 ou à 15 ans la grande littérature. Je n'avais aucune relation avec le tamizdat. Ma famille lisait beaucoup, mais c'était une famille très soviétique, même si elle provenait de l'intelligentsia, et je n'avais pas d'accès au tamizdat. Lire Brodsky ou Solzhenitsyn ou quelqu'un d'autres poètes sous censure, j'ai commencé quand je me suis retrouvée en Israël, c'est-à-dire à peu près à l'âge de 15 ans. C'est édifiant, mais dans mon cas concret, j'ai été un peu en retard. Est-ce que vous considérez Rohar comme le nouveau tamizdat? Non, parce que je ne comprends pas le mot tam, le mot là-bas. Je ne vois pas qu'est-ce qui est là-bas. Ce n'est pas pour rien que j'ai commencé par dire ce que j'ai dit. Je vous dirai quelque chose qui vous paraîtra peut-être étrange. Mais je crois que c'est dangereux de souligner cette dichotomie entre ici et là-bas. Cela me semble tellement dangereux que je suis sûre que nous allons apprendre que ce sont des gens qui ne sont désagréables qui travaillent sur le soulignement de cette dichotomie. C'est-à-dire que c'est tellement bien pour notre adversaire que ça ne m'étonnerait pas qu'il s'agit d'un travail mené consciencieusement. Je ne vois pas de tam, je ne vois pas de là-bas, je ne comprends pas ce que veut dire ce mot. Effectivement, un livre papier peut être publié dans une imprimerie qui se trouve quelque part géographiquement. Une personne légale peut être enregistrée dans une certaine localité. Mais pourquoi devrait-on jouer cette même carte encore et encore en sachant que c'est une carte qui va nous perdre? Pour moi, c'est assez dur. Alors, quand et comment est né Rohar? Dans quelles circonstances? Merci. Il est né de mon sentiment d'impuissance complète, et cette impuissance était la circonstance essentielle. Il n'y avait plus rien. Il faut comprendre que nous avons commencé à réunir les textes pour Rohar le 10 mars, je crois que c'était le 10 mars 2022. Et je me sentais une personne tout à fait impuissante devant les circonstances, qui ne pouvait rien faire, qui ne pouvait influencer rien, qui ne pouvait sauver personne. Et tout ce que je sentais par rapport à ce qui se passait, je voyais que mes chers collègues publiaient des textes de force étonnante. Mais aussi des matériels audio, des matériels artistiques dans des réseaux sociaux. Et je me suis dit que je pouvais demander à mes collègues de former une équipe pour en faire quelque chose d'intégral, parce que je croyais que ces textes ensemble sonneront encore mieux qu'ils ne sonnent séparés. C'était tout. Et d'ailleurs, la grande partie de mes connaissances avec lesquelles j'ai parlé de cette chose, auprès desquelles j'ai cherché un soutien, m'ont dit que c'était n'importe quoi et que c'était privé de sens. Il n'y avait pas de sentiment de mission, il n'y avait pas de sentiment que je faisais quelque chose d'important. J'avais un certain but que je vous dis, mais le sentiment que tout allait selon le plan, je ne l'avais pas. Il y avait l'impuissance et il y avait le sentiment que c'était quelque chose que je pouvais faire. À un mon jeune ami qui cherchait donc de l'expérience en tant qu'entrepreneur, pendant un entretien d'embauche, on avait proposé de dire donc ce qu'il avait déjà fait. Il ne savait pas quoi répondre
Et on lui avait demandé, est-ce que vous essayez de vous mettre du thé dans les cheveux? Mais pourquoi? Mais pour faire au moins quelque chose. Et là, j'avais l'impression que j'étais en train de me mettre du thé dans la tête. Alors, je voudrais savoir, est-ce que cette action pour vous avait un sens politique ou seulement un sens artistique et littéraire? Je comprends très bien votre question. La première partie, elle est politique. C'est difficile à expliquer. Ça peut sembler tout à fait nul, mais pour une personne qui n'avait jamais rien fait de politique, ça semble quelque chose. Pour quelqu'un qui peut encore plus dans la politique, ça peut sembler littéraire. Mais pour quelqu'un qui politiquement peut faire très peu, ça semble politique. Ça semble ma politique personnelle, ce que moi je peux faire sur le plan politique. C'est comme ça. Est-ce qu'au début vous avez présupposé des résultats? Est-ce que vous avez pensé aux résultats? Même aujourd'hui, je n'y pense pas. Qu'est-ce qui peut être considéré comme de résultats? Peut-être des textes publiés, peut-être des numéros publiés, mais je ne peux pas m'imaginer comment on pourrait faire un autre résultat. C'est un peu comme cet insecte qui pousse devant une boule, et la boule, elle grandit. C'est ça le résultat. Si on nous demande pourquoi on le fait, on va répondre parce que quelque chose me pousse en avant, parce que je dois le faire. Et c'est à peu près tout. Je sais dire de jolis mots, surtout du fait que je m'occupe de la communication. J'ai un moyen rhétorique d'en parler. Je sais parler de l'importance de cela dans les yeux de nos partenaires occidentaux pour faire la culture anti-guerre russe plus visible. Et justement, ça c'est la vérité vraie, c'est peut-être la seule idée que j'avais en fondant cette revue. Et c'est justement pour ça qu'on avait décidé de faire une version anglophone constituée de traductions, parce que ça permettait de rendre la culture d'opposition à la guerre plus visible, de rendre possible de voir que cette culture, cette résistance existe. C'est ça qui me semble très important. Pour le reste, on ne peut pas vraiment imaginer un résultat, et ce résultat-ci, on ne peut pas le voir et on ne peut pas le mesurer. Et justement, on parle des langues. Il y a plusieurs traductions. Et il y a quelques jours, le numéro 13 du Roar a été publié. On prononce Roar à la française. Et vous avez changé la désignation de la langue. Est-ce que vous pouvez parler de cette petite révolution? Alors, effectivement, quand on pousse sa boule, soit on la voit, soit on la pousse. Il est très difficile de la voir de l'extérieur. Et c'est pour ça qu'il y a certaines circonstances qui te font le voir de l'extérieur. Une circonstance qui m'a fait voir cette boule, ce roar, c'est quand Vlad Petrenko, un poète merveilleux ukrainien, m'a envoyé ce poème avec l'autotraduction en russe, et il a dit: je voudrais que ces vers soient un pont entre la culture ukrainienne et la culture russophone actuelle, parce que je crois que c'est très important. C'était un poème merveilleux et on l'a publié en deux langues, et donc à partir de ce moment-là, on ne pouvait plus qualifier notre version essentielle de russophone, et donc on a commencé à écrire langue russe slash langue ukrainienne.
On a commencé à nous envoyer des textes où se mélangent le russe et l'ukrainien, et après j'ai compris qu'il n'y avait pas que le russe et l'ukrainien qui se mélangeaient. Il y avait des poèmes qui étaient en partie en biélorusse, en partie en roumain, des gens dont la vie était liée à la Moldavie ou à la Roumanie. Je ne parle même plus des langues anglaises, françaises ou italiennes qu'on voit régulièrement à l'intérieur des textes. Et je me suis surprise à penser, tout d'un coup, que j'ai refusé à deux reprises aux auteurs des textes parce que ce n'était pas écrit en cyrillique. Et là, je me suis dit, mais pourquoi? Pourquoi? Pourquoi est-ce que je le fais? Ces textes concernent tout à fait nos thématiques. Autant que j'ai pu lire le texte italien, ça convenait aussi à notre thématique, alors pourquoi ne l'ai-je pas pris? Et on a pris la décision qu'à partir de ce numéro, on ne publiera plus une version cyrillique ou une version russe et ukrainienne, mais juste la version essentielle où on va publier des textes qui sont dans notre thématique, c'est-à-dire l'opposition au régime russe et à la guerre qu'il avait commencé. Et donc là, on a des versions traduites, et les versions traduites, bien sûr, c'est chacune dans sa langue. Et alors, votre nom a également évolué. Effectivement, on a commencé à se nommer donc Resistance Art Review. Techniquement, pouvez-vous nous parler de votre cuisine? Comment viennent les auteurs? Qui les sélectionne? Est-ce que vous lisez tous les textes? Si vous avez vu déjà les revues, on ne peut pas les lire sans faire une pause en tant que lecteur. Alors, moi, je lis en faisant des pauses, effectivement. Et aujourd'hui, ici, il y a la rédactrice en chef de la version essentielle, Maria Voul, qui parlera justement de la façon de composer cette version essentielle. Et moi, je parlerai de ce que moi je fais. Je crois que je fais le travail le plus facile. Je sélectionne les textes et je communique avec les auteurs. Et c'est moi aussi qui fais ce que toute la rédaction déteste. J'invente des projets spéciaux et je complique la vie de la rédaction. À chaque fois, je sens que quelque chose me vient en tête et après, toute la rédaction doit travailler avec cela. Mais au moins, je me charge de la communication avec les auteurs à chaque fois que quelque chose me passe par la tête. C'est la partie dont je m'occupe. Comment est-ce que ça se fait techniquement? Un jour sur deux, je lis La Poste de Roar. Pas tous les jours, c'est très dur pour moi. Mais je lis un jour sur deux mes mails. Il y a les lettres des auteurs et il y a de nouveaux mails qui viennent des auteurs. D'abord, j'ai des règles, j'ai des auteurs que je connais et que nous invitons à collaborer avec Roar. Il ne s'agit pas d'une très grande liste, c'est une liste de mes amis et de mes connaissances. Et ce sont les auteurs qui, une fois tous les 2 mois, reçoivent donc de moi un mail qui leur dit que nous attendons leur texte dans le RAW, des écrivains, des artistes, des productions d'audio que je connais et qui sont aussi souvent mes collègues. Et sinon, nous écrivons partout où nous pouvons écrire. Donc, moi, je l'écris sur ma page Facebook. Мы выпустили еще номер, мы собираем новый номер. Это open call, мы ждем вашей работы. Мы пишем это в открытом режиме, то есть мы готовы принимать работы от всех. Мы ждем работы на рассмотрение. Recevoir vos œuvres. Et ensuite, donc, je passe à la sélection de ces œuvres. C'est-à-dire que je reçois, nous recevons pour chaque numéro, disons,
jusqu'à 500 œuvres. C'est une estimation assez juste, je pense, jusqu'à 500 œuvres. Parfois, ce chiffre est encore plus grand. Et moi, j'ai une règle très stricte. Et il y a des auteurs que je connais, que je reconnais déjà leur nom. Et ensuite, il y a des auteurs qui nous écrivent tout le temps. Mais il y a des nouveaux auteurs également. Et ma règle, c'est que je ne google jamais le nom de l'auteur avant de lire ou de regarder son œuvre. Je fais cela pour ne pas être ébloui, disons, par ce que je peux trouver sur cette personne, par sa biographie, par ses connaissances, par ses réseaux, par les gens qu'il côtoie. Donc, pour que cela ne m'empêche pas d'évaluer son œuvre. Et seulement quand je lis le texte ou quand je vois son œuvre, je prends la décision si nous allons le publier ou pas. Et ensuite, je peux regarder qui est cette personne. Et pendant ces 2 ans et demi, c'est effrayant de le dire, mais cela fait déjà 2 ans et demi, je peux vous dire que j'ai déjà une technique. Et souvent, quand je décide que je prends cette œuvre pour la publier, souvent, après en googlant cette personne, en recherchant son nom sur Internet, je me rends compte que c'est déjà quelqu'un qui est publié dans d'autres éditions, d'autres publications. Et quand je décide de ne pas publier quelqu'un, souvent c'est quelqu'un qui écrit sous pseudonyme, ou alors quelqu'un que je ne pourrais pas connaître. Et donc, en fait, c'est très rare que je décide de ne pas publier quelqu'un, et en même temps, si j'avais su qui était cette personne, j'aurais pris une décision différente. Donc c'est ma règle très stricte. Et je n'ai pas la possibilité, bien sûr, de répondre à tous les auteurs qui nous écrivent, mais je réponds à chacun qui est publié chez nous. Donc bien sûr, je leur réponds, je les remercie pour leur confiance pour l'envoi de leurs œuvres, et je leur dis que cette œuvre sera publiée, dans quel numéro elle sera publiée, et ensuite je passe la parole à la rédaction, et c'est la rédaction qui se charge de la communication avec l'auteur par la suite. Ensuite, si nous avons des grands projets spéciaux, nous essayons également d'expliquer ce que c'est. Donc nous publions l'appel aux œuvres et nous expliquons l'idée de ce projet. Il est très rare qu'il arrive que je propose quelque chose et que je propose aux auteurs de retravailler leur texte, de rajouter quelque chose, de corriger quelque chose. J'ai une page qui se répète souvent dans ma communication avec les auteurs. C'est quand je demande aux auteurs des œuvres d'art d'envoyer un petit texte accompagnant cette œuvre d'art. Ça, c'est quelque chose de très spécifique. Mais en tout cas, je mène donc toute la communication avec les équipes des publications dans d'autres langues. C'est tout, voilà, c'est tout ce que je fais. Je fais très peu, c'est la rédaction qui fait tout. Donc moi, je sélectionne les œuvres, les textes, je les mets dans des dossiers, et c'est la rédaction par la suite qui charge de tout le reste. Oui, c'est vrai, mais rien que de lire tous ces textes, de sentir et de ressentir tout ce qu'il y a écrit dedans, c'est déjà quelque chose. Et effectivement, ça fait déjà 2 ans et demi que cela dure, et que votre petite entreprise dure également, donc vous publiez tous les 2 mois. Effectivement, nous publions tous les 2 mois, et là c'est la première fois que nous allons partir en vacances. Nous avons modifié la date de publication une fois, c'était nécessaire pour la rédaction et pour moi, et c'était nécessaire pour beaucoup d'entre nos auteurs, surtout pour ceux qui écrivent assez régulièrement, et je pense que c'était nécessaire également pour nos collègues qui traduisent nos publications vers d'autres langues. Donc nous essayons en tout cas, et là nous en sommes aux 13 numéros. Oui, et donc effectivement,
même dans le cadre de ce que nous faisons dans la bibliothèque Turgenev, nous voyons comment cet élan qu'on a eu au tout début, il passe un petit peu. Et effectivement, parce que le sujet est merdique, je vais le dire comme quelqu'un qui travaille dans la communication. C'est un sujet qui est très sombre et très triste. Oui, effectivement, tout le monde espérait que ça allait pas durer. Oui, bien sûr, c'est pas un sujet facile. Si on parlait des petits chatons, ça aurait été autre chose. Et comment vous avez réuni votre équipe? J'ai demandé à Marussia d'être la rédactrice en chef de la version principale. Ensuite, j'ai demandé à quelqu'un d'autre de faire la rédaction de la publication en anglais. Et ensuite, eux, ils ont réuni leurs équipes. Et moi, je ne me suis pas du tout mêlée de ce processus. Donc, c'est eux qui ont réuni des collègues. Ensuite, Vita Zbitnikova a travaillé sur notre site web. Elle fait toujours un travail formidable aujourd'hui. Et donc, tout cela, bien sûr, nécessite beaucoup d'efforts parce qu'il y a beaucoup de choses qui tombent en panne. La plateforme, par exemple, sur laquelle nous publions nos œuvres. Donc, il faut tout le temps être vigilant et suivre ce qui se passe. Ensuite, donc, nous avons cherché des équipes de mise en page. Donc, on a eu Marta Vosmova, qui est aujourd'hui chef de cette équipe. Et Masha Lepilova également, qui travaille sur cette publication. Donc, elles font un travail énorme pour la mise en page. Et tous les autres membres de cette équipe, je ne sais pas comment ils arrivent à faire tout ce qu'ils font. Et en fait, il y a eu d'autres personnes, donc des rédacteurs, des correcteurs, des éditeurs, des traducteurs. Donc pour la version anglaise d'abord. Ensuite, on a eu d'autres équipes de bénévoles comme cette équipe incroyable de bénévoles français. Donc Antoine Nicole. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Il y a eu des bénévoles qui nous ont rejoints, qui ont commencé à faire des versions en d'autres langues. Et c'est vraiment incroyable. Et on peut dire combien de personnes travaillent avec vous? En fait, j'ai une estimation très approximative. Parce que si on compte tous ceux qui travaillent avec nous, qui nous aident un petit peu, je dirais qu'on est entre 150 et 200 personnes dans Roar. Donc, sans parler des auteurs, bien sûr. Donc, je ne parle même pas de ceux qui nous envoient du contenu. Donc là, je parle uniquement de tous ceux qui travaillent sur le côté technique. C'est une équipe de 150 à 200 personnes. Effectivement, et si on parle de cette équipe, comment vous voyez vos lecteurs? Est-ce que vous avez des retours? Est-ce que vous avez des retours de Russie? Oui, il y en a beaucoup. On a beaucoup de retours. Et c'est très bizarre d'en parler. Parce qu'à un moment, tu te dis, et d'ailleurs quand j'ai commencé tout ce projet avec mon équipe, j'avais le sentiment que je le faisais pour les auteurs. Et pour moi, bien sûr, tout d'abord, et pour les auteurs. Et je pensais que cela se faisait pour que ces gens-là avaient le sentiment qu'ils avaient de la voix, qu'ils pouvaient être entendus. Que quelqu'un avait besoin de ces voix-là et que quelqu'un avait envie de les publier, c'était très important. Mais je ne pensais pas du tout qu'il y avait des lecteurs qui allaient le lire. Je vous le jure, je n'y ai pas du tout pensé. Donc moi, comme autrice, je sais que c'est quelque chose de très important d'avoir quelqu'un qui veut te soutenir en tant qu'auteur. Et déjà, ça, c'est quelque chose d'énorme. Donc moi, je pensais pas du tout au lecteur, parce que c'est, encore une fois, un sujet tellement sombre, on ne parle pas de petits chatons mignons, donc je ne pensais pas qu'on allait nous lire. Et donc, bien sûr, on est bloqué en Russie, mais nous savons néanmoins qu'il y a des gens qui nous lisent en Russie en utilisant le VPN. Nous savons que nos publications sont lues sous forme de fichiers PDF qui sont diffusés. Encore une fois, merci
un bénévole Dimitri notamment, qui s'occupe de cette version PDF. Et c'est très bizarre. C'est quelque chose de normal peut-être, mais en même temps ça fait très bizarre de dire ça, qu'il y a des gens qui nous lisent. Et en même temps, je ne suis pas surprise de savoir que nos auteurs sont lus, mais ça me fait bizarre d'en parler comme ça. Et comment est-ce que vous voyez cet élan de poésie, cet déferlement de poésie comme une explosion volcanique presque? Donc moi je me souviens du moment où je me suis dit oui, c'est un tournant, c'est quelque chose qui change. C'est le poème de Tatiana Volskaya. Ça, c'était surtout la fin de ce poème qui était bouleversant. Et c'est quelque chose effectivement qui marque. Oui, je pense que c'est une histoire assez compliquée et complexe. Il s'agit de personnes qui aiment le verbe, la littérature, et pour qui la possibilité de parler de quelque chose est très importante, et qui comprennent le monde par la parole, par les mots. Et en même temps, après cette invasion de grande ampleur de la Russie en Ukraine, ils ont perdu leur langue. Où cette langue a disparu. Il n'y a plus de langue pour pouvoir parler de cette invasion. Et encore maintenant, on n'a pas vraiment cette langue, elle nous manque. Et la poésie, c'est toujours une recherche de langue, de langage, de parole. La poésie, c'est un geste avec lequel une personne cherche à tâtons, cherche ses lunettes. Comme ça. Donc c'est ça la poésie. C'est une recherche sans pouvoir trouver, et c'est une recherche sans fin, qui ne s'arrête jamais. C'est ce geste-là avec lequel on cherche ses lunettes. Et je pense que c'est cela qui se passe depuis le début de cette guerre. Donc en fait, c'est la poésie qui essaie de trouver une langue qui nous permettrait de parler de la guerre. Oui, et les gens qui ont l'habitude de vivre tout événement en parlant, c'est ce qu'ils font, c'est ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Et donc le 14e numéro est en train d'être préparé, donc vous allez recevoir des œuvres. Est-ce que vous avez d'autres projets, de projets spéciaux dont vous parlez? Comment ces idées naissent et quelles sont-elles? Oui, non, ça c'est un moment effrayant, parce que je sais que c'est la rédaction qui devra s'en charger si moi je leur propose une idée. Alors oui, jusque-là, nous avons eu un tout petit projet avec des BD dans le numéro 13. Pour le numéro 14, nous ne prévoyons pas de projets spéciaux. Je pense qu'il faut juste faire un numéro normal, disons. Et... Merde. Oui, effectivement, notre langue a changé après le début de la guerre. Oui, donc, en fait, il faut que je parle de notre expo. C'est des informations ouvertes, donc on peut déjà en parler. On a déjà tous les accords. Donc, le musée d'art contemporain Amsterdam va organiser avec le Moscow Times une exposition des artistes contre le Kremlin. Donc ça sera une exposition assez grande, d'une ampleur assez grande. Donc le Moscow Times a déjà publié ces informations-là. Donc ça sera quelque chose d'assez assez impressionnant. Et moi j'ai honneur d'y participer en tant qu'artiste. Et je suis très honorée de pouvoir y participer. Et il y aura aussi une salle secrète où on pourra accéder avec un QR code. Et à ce moment-là, vous aurez sur votre smartphone une salle virtuelle
qui est créé par l'architecte Alexandra Zuzina. Et dans cette salle, on pourra se déplacer comme dans une vraie salle. Et ce sera une exposition de Roar. Donc les œuvres qui seront publiées d'ici là, dans les 14 numéros de Roar, seront présentées là. Donc nous pourrons les présenter ainsi dans cet espace virtuel. Et voilà, c'est ce que nous sommes en train de préparer en tant qu'une salle supplémentaire de cette exposition. Elle va ouvrir à la fin du mois d'août, début du mois de septembre. Et bien sûr, il y aura des publications sur cette exposition, mais il ne s'agit pas d'un projet spécial, c'est juste une participation à une exposition. Donc voilà, nous allons essayer de faire cela, donc de faire cette exposition, cette salle virtuelle. C'est effectivement très intéressant, merci beaucoup. Et quand nous pourrons faire le bilan, disons, ben, en fait, je peux vous dire que nous espérons, avec chaque numéro, de pouvoir terminer ce travail et d'arrêter cette publication. Quand la culture ne sera plus divisée entre culture servile aux autorités de la Fédération de Russie et la culture d'opposition. Et c'est là que nous pourrons fermer notre publication, mais malheureusement ce n'est pas encore le cas. Oui, donc je pense que le temps est venu maintenant de parler des traducteurs. Comment vous les avez trouvés avec l'équipe française, justement? Ah non, je pense que c'est Antoine Nicole qui devrait en parler, parce que c'est pas mon histoire à moi. Je pense qu'il va en parler lui-même. Donc allez-y. Effectivement, nous pouvons commencer. Donc, nous pouvons inviter les traducteurs ou alors vous poser des questions dessus, si vous préférez. Je pense que je proposerais de faire ainsi. Donc, pour clôturer cette partie sur la version principale, nous allons parler avec Marussia. Et donc c'est comme ça que nous procédons. Effectivement, nous avons la version principale et ensuite nous avons les versions dans d'autres langues. Donc nous allons procéder dans l'ordre. Voilà, donc je vais lui passer la parole. Donc oui, vous pouvez prendre le micro qui est là ou alors ce micro ici. Merci. Est-ce que je peux rester debout? C'est plus pratique pour moi. Bon, je vous donne un deuxième micro parce que on attend un dialogue. Bonjour, je m'appelle Maria Voul, Eleonore m'appelle Marussia, comme tous mes amis, vous aussi, vous pouvez me nommer de la sorte. Je suis rédactrice en chef de la version essentielle du Roar. Et malgré tout ce festival d'auto-humiliation que nous venons d'entendre, c'est Linor qui est donc la personne essentielle dans le travail sur Roar, parce que quand même, lire 500 mails, parler aux auteurs donc pour chaque édition, c'est le travail le plus dur que nous avons. Le reste du travail est fait par nos relecteurs, par nos correcteurs, et moi je suis entre les deux. Et j'essaie de rester entre les deux de façon que toutes les autres versions, les versions de traduction et le temps de traduire des textes, je n'y arrive pas toujours. Donc s'il y a des textes qui vous manquent dans la version française, alors c'est de ma faute. Et donc comment est-ce que le travail technique se déroule après que Linor donc finit de faire son travail titanique qu'elle oublie tout de suite? Elle me passe le dossier avec les textes sélectionnés. Il y a plusieurs dossiers d'ailleurs. Il y a un dossier sound, il y a un dossier prose, un dossier essai et il y a un dossier qui s'appelle des projets spéciaux. Et bien sûr, un dossier très important qui s'appelle poésie. La poésie, bien sûr, donc n'est pas relue. Si vous avez essayé de faire la relecture, la correction des poètes, vous me comprenez, on ne peut pas le faire.
Voilà, donc ce qui est dans le dossier de poésie est transmis au département des correcteurs. Ce sont des héros, je ne peux pas les nommer parce qu'ils restent en Russie, ce sont de vrais héros qui relisent des textes poétiques avec une attention, peut-être avec plus d'attention que les auteurs eux-mêmes. Sans changer, sans vraiment modifier quelque chose. Le correcteur, il a une caractéristique, si jamais il y a une virgule qui manque, si le tiré n'est pas de bonne longueur, il faut le corriger, sinon ça vous fait mal physiquement. Mais par contre, les correcteurs du département de poésie, ils n'ont pas le droit de le corriger, ils peuvent juste le commenter. On ne peut toucher à rien dans les textes poétiques. Ensuite, c'est moi qui prends ce texte, qui va voir l'auteur et qui lui demande « Est-ce que vous avez fait exprès cela ?» Ou est-ce que c'est juste vous avez oublié quelque chose? Par exemple, là, il manque de virgule, c'est fait exprès, ou est-ce que tout simplement vous l'avez oublié? Donc certains auteurs ensuite me disent laissez tout comme c'est écrit, je ne veux rien changer, et même si on veut modifier des choses, on le laisse en l'état. Sinon, des poètes disent « Ah non, j'ai oublié, non, c'est une faute de frappe, on ne pourra pas le dire en russe, etc. » Et finalement, le poète nous donne le feu vert et donnons ce dossier au département de la mise en page. En parallèle, il y a aussi la relecture et la correction des textes de prose et des essais. C'est un petit peu compliqué. Parce que notre rédactrice donc en chef est assez tendre. Elle dit que la relecture et la correction doivent être vraiment au minimum. Je ne veux pas lire des textes lisses. Voilà. Je voudrais que les modifications restent au minimum. Et donc, c'est pour ça que nous modifions seulement des endroits qui ont vraiment besoin de correction. Par exemple, il y a des accords qui sont absents, il y a des moments où moi, en lisant le texte, je ne comprends pas ce que l'auteur voulait dire, ou je vois ce qu'il voulait dire, mais je vois qu'il n'est pas vraiment arrivé à le dire. C'est assez rare, mais cela arrive. Et dans ce cas-là, je demande à l'auteur si on peut réécrire, si on peut modifier peut-être des paroles du personnage qui devrait peut-être dire autre chose. Je le fais très gentiment, avec beaucoup de révérence. Et ensuite, donc, je reçois des réponses à mes questions et je fais donc des modifications très, très doucement. Voilà. Et ensuite, si tout le monde est content, le texte part vers l'équipe des traducteurs, vers l'équipe de la version anglophone. Ensuite, il est relu. Donc les relecteurs refont encore tout ce travail, relisent encore le texte plus attentivement que l'auteur l'a lu, plus attentivement que moi je l'ai lu, qui corrige les virgules, les tirets, tout ce que je n'ai pas corrigé, qui me pose des questions en disant peut-être il faudrait écrire biélorusse différemment, et moi je leur dis non, ici c'est important de le laisser comme c'est dans le texte. Et après tout cela, nous déposons les textes à l'équipe de la mise en page, à cette équipe héroïque qui fait la mise en page en une nuit pour plusieurs raisons. Alors, c'est moi qui en prends toute la responsabilité. Il y a un bureau merveilleux, une imprimerie qui s'appelle Partisan Press qui fait des t-shirts. Et j'ai un t-shirt sur lequel c'est écrit « L'idéal n'est pas possible à l'heure ».
Et donc, c'est moi qui prends toute la responsabilité pour le fait que l'équipe de la mise en page, parfois, doit faire toute la publication en une nuit. J'ai deux stickers que j'adore. Voilà. Il y a donc un sticker avec une mouette qui est au téléphone et qui dit « Ah, ça brûle, ça brûle, ça brûle !» Voilà, et un autre sticker où cette mouette est en train de râler, de pousser le dernier râle. Voilà, et des fois, je dois contacter mon équipe pour dire « Moi, je suis la mouette qui brûle, je suis la mouette qui râle, est-ce qu'on peut faire des choses plus vite ?» Et il faut dire que tout le monde est là en tant que bénévole, c'est-à-dire les auteurs, les correcteurs, les relecteurs, ils ont aussi leur vie, leurs enfants, leurs chiens. Mais ils me disent quand même, oui, bien sûr, on peut speeder. Et là, je leur envoie donc un recueil de poèmes de 15 pages et je dis, bon, merci, très bien. Et c'est comme ça que le travail se déroule sur chaque publication. À chaque fois, je me dis qu'il faudrait qu'on aurait pu faire mieux, qu'on aurait pu réagir au plus vite, qu'on aurait pu peut-être ajouter quelque chose. Et ensuite, tout recommence. Et comme Lénore a déjà dit, nous espérons tous fermer au plus vite. Depuis la toute première édition, on voudrait fermer notre revue et on en rit toujours. Parce que le jour où Lénore a eu cette idée de faire cette publication, on était chez nous sur le canapé dans mon salon. Donc Lénore inventait tout, moi je notais tout, comme ça se fait entre nous en général. Voilà, j'ai fait un tableau. Donc c'est Lénore qui a eu toutes les idées et moi qui les ai toutes notées. Et finalement, on s'est dit, bon, on va faire une publication, une édition tous les deux mois, parce que sinon on crèvera, il n'y aura pas autant de bénévoles. Il ne faut pas être irréaliste, il faut... Donc on va le faire, on va faire un numéro tous les deux mois, on fera maximum 6 numéros et on fermera. De toute façon, ça ne va pas durer. Et donc ensuite, quand la deuxième année est venue, Lénore a fait quelques bracelets où c'est marqué « On ne fera que quelques numéros ». Je porte ce bracelet tous les jours et je compte l'enlever le jour où Roar fermera. Peut-être jamais, peut-être que je serai enterrée avec. Bon, on est très joyeux aujourd'hui, n'est-ce pas? Et donc, qu'on n'importe quel travail, ça se fait comme ça. Tu prends et tu le fais. Et j'espère que le résultat... Alors, je vois qu'il y a plusieurs choses qui peuvent être améliorées, mais j'espère quand même que le résultat n'est pas très mauvais. Moi, encore une fois, je voudrais ajouter que je ne fais que me retrouver au milieu. Il y a Lénore qui lit 500 demandes, il y a les correcteurs qui lisent les textes poétiques. La première fois, on n'était pas très intelligent, on a pris tout le corpus poétique et on l'a donné au même correcteur. Et donc, ensuite, cette correctrice, elle est restée avec nous. Mais quand elle m'a rendu ce corpus, elle m'a dit « Marussia, je vous aime bien, mais est-ce que la prochaine fois, on pourrait diviser ce corpus entre quelques correcteurs parce que c'est très difficile à lire ?» Donc, elle m'a envoyé avec des modifications sur les tirets, sur les virgules, etc. J'ai commencé à relire le corpus. Et j'ai compris que même avec des pauses, pour moi c'était impossible, c'était très dur de lire tout cela. C'est plus difficile avec les poèmes qu'avec des textes en prose, et ce sont les poètes qui nous diront comment ils arrivent à le faire, mais c'est quand même dur. Et on a commencé à diviser ce corpus, on le donnait désormais à plusieurs... correcteurs, donc merveilleux, qui font ça pour nous. Je voudrais remercier notre équipe de correcteurs qui me tolère avec mon régime donc de mouette qui brûle et qui râle,
qui peuvent lire tous ces textes qui contiennent autant de douleur et autant d'impuissance que c'est énormément dur. C'est un travail énorme et je ne peux nommer aucun des correcteurs. On en a beaucoup qui font ce travail en restant, en vivant en Russie. Et je ne peux pas dire, je peux juste dire à ces gens-là, ici à Paris, venant d'Israël, je ne peux dire que grand merci à ces gens-là. À chaque fois quand Lénor écrit l'édito, il y a, cet édito comprend une lettre de remerciement aux gens qui ont travaillé sur ce numéro. Et à part Olga Tchaïka, notre merveilleuse correctrice, et encore quelques-uns qui ne sont pas en Russie, tous ces gens sont marqués par les initiales ou par des pseudonymes, parce que même aujourd'hui, je ne peux pas les nommer, ça me fait très mal. Je voudrais que le moment arrive, quand je pourrai venir vers le public, venir sur scène, et désigner par leur nom chaque personne qui a travaillé avec nous, qui a fait un travail énorme et qui en général est invisible parce que le lecteur s'en fiche quel est le tiré, de quelle longueur est le tiré, mais croyez-moi, c'est très important. Et je crois que c'est tout ce que je peux vous dire sur le travail, sur la version essentielle du Roar, sauf si vous avez des questions auxquelles je pourrais répondre. Bon, je pourrai y répondre plus tard. Merci beaucoup, merci. Et alors, donc comme la rédactrice en chef nous l'a indiqué, voilà, on continue. Donc cette version essentielle, alors j'espère qu'elle fermera. D'un côté, j'espère qu'elle fermera au plus tôt, mais de l'autre côté, vous devrez alors publier un livre. Vous n'y avez pas encore pensé? Alors, c'est vrai que cette idée, ça m'apparaît et après ça disparaît parce que je n'ai pas assez de force. Voilà, mais je voudrais le voir au plus vite. Et là, c'est le grand temps de parler parce qu'aujourd'hui, entre ces murs, avec nous, nous avons les traducteurs de la version francophone de Roar. Je vais le prononcer à la française, Roar. Alors, comment on va faire? Il faudra sortir le micro. Antoine est un traducteur. Si quelqu'un ne le sait pas, c'est le cofondateur d'une publication française merveilleuse. Donc c'est un nom de l'édition qui frappe tout de suite, c'est l'édition Temp is Dat, et donc c'est vous qui avez la parole. Je dirais la même chose que Lénor et Macha. Moi-même, je ne fais rien. C'est vraiment une soirée des fainéants. Alors je crois que tu as invité peut-être de mauvaises personnes. Donc, voilà. Alors, vous n'avez pas fait 13 publications et 8 traductions, c'est ça? Alors, je ne suis pas rédacteur en chef, je suis le coordinateur de la version française. Pour moi, c'est important, je vais expliquer pourquoi. En quoi est la différence pour moi? Donc, j'ai préparé un petit peu... J'ai préparé un petit peu mon discours pour que ce soit plus facile pour les traducteurs et pour ne pas prendre trop de temps. Donc effectivement, j'ai été traducteur et j'ai été aussi le coordinateur de l'équipe des traducteurs de Roar. Alors, quand on s'est rencontré avec Lénor, c'était de ma faute, c'est moi qui ai écrit à Lénor. Dès que j'ai vu son annonce sur Facebook qui disait qu'elle réunissait des textes pour Roar, même avant la première publication, je lui ai écrit en proposant de réunir une équipe des francophones qui pourrait travailler sur cette version. Et
Et quand moi j'ai posté l'annonce, plusieurs personnes ont répondu, plus que donc c'était plus à, que ce à quoi je m'attendais, peut-être pas des centaines, mais beaucoup de personnes. Il y avait parmi eux des traducteurs professionnels, mais la majorité étaient tout simplement des gens bilingues qui parlaient français et russe et qui voulaient aider, qui traduisent les textes par leur temps libre, tout comme moi, parce que je ne suis pas pour l'instant un traducteur professionnel, peut-être un jour, mais bon, il faut bien commencer par quelque chose. Et donc, notre histoire a duré un an, seulement un an. Nous avons fait publier six éditions, six numéros de Roar en français. Et ensuite, on a arrêté pour plusieurs raisons. À mon avis, c'est important d'en parler aussi. Comme j'ai déjà dit, il n'existe pas de rédacteur en chef pour la version francophone. C'est-à-dire que dès le début, j'ai proposé aux traducteurs de choisir eux-mêmes les textes qui leur paraissent importants pour le public français en Roar. Et donc, chaque traducteur devait plonger dans les textes, devait lire toutes les publications et devait choisir, sélectionner le texte que lui-même voulait traduire. C'est un énorme travail pour tout le monde et c'était l'un des problèmes principaux parce que ce n'était pas que moi qui faisais ce travail, mais tout le monde en même temps. Pour moi, c'était important. Je ne voulais pas du tout devenir rédacteur en chef. Je ne savais pas du tout quel texte devait être traduit et quel texte ne le valait pas vraiment pour le public français. Donc ça, c'était la première raison. Et ensuite, la deuxième raison. Un an après le début de l'invasion en Ukraine, plusieurs projets ont apparu en France, des projets de l'immigration russe qui nécessitaient aussi des traductions et des traducteurs. Et plusieurs d'entre nous, alors, ont commencé à travailler sur ces projets qui occupaient également beaucoup de temps. Ça, c'est la deuxième raison. Et troisièmement, ce qui est aussi important, au début du Roar, ce n'était pas difficile du tout d'attirer le public français. On a publié des articles, y compris dans Le Monde. Les gens nous lisaient. Je le sais parce que donc on nous disait qu'on nous lit. Mais quelque temps après, les choses ont changé parce que les gens voulaient des livres en papier. Ce qui est assez compréhensible. Et vers ce temps-là, plusieurs projets en papier ont apparu, comme le Tamizdat, le nouveau Tamizdat. Donc, nous l'avons aussi chez Sampizdat. Aujourd'hui, nous n'avons pas vraiment fini de travailler sur le Roar, mais je crois que nous avons changé de régime. Nous allons réunir les textes peu à peu. Donc j'ai déjà dit ça il y a quelques mois. Peut-être d'ici quelques mois, on finira par publier un grand numéro avec des textes sélectionnés dans différentes éditions de Roar que nous n'avons pas encore traduits. Et peut-être aussi une version papier, parce que c'est important pour le public français. En France, il n'y a pas de tradition de revue littéraire. Les Français ne les connaissent pas. C'est-à-dire de grandes publications où vous pouvez lire des poèmes, des essais, de la prose tous les deux mois. Nous n'avons pas cela. C'est quelque chose qui est né en URSS, qui a existé dans les années 90, qui est très important pour le lecteur russe, mais qui n'existe pas en France. Je crois que les Français ne lisent pas autant sur Internet que l'immigration russe. De toute façon, nous serons contents de tout et nous ne voulons pas du tout mettre la pression. Mais nous ne sommes pas venus pour ça. En fait, nous voulons lire les textes.
Dans la salle, il y a quelques traducteurs, il y a Sylvia Chassaigne, le chat est joli quelque part, voilà, joli bonin. Et nous allons tous lire de petits textes que nous avons choisis en deux langues. Et comme je suis déjà là, je vais commencer. Alors, je crois qu'on avait une présentation, oui. Et justement, on va enfin parler de petits chats, de petits chatons, enfin. Donc, moi, j'ai choisi un texte assez court, parce que j'ai déjà beaucoup parlé. Donc là, c'est un texte qui a été écrit par Yevgeny Nikitine après la mobilisation partielle, donc en septembre 2021. Je l'ai choisi parce que c'est quelque chose d'effrayant, mais pas seulement. Donc moi, je vais le lire en russe et en français ensuite. Allons-y. Женщин, детей, чиновников и ментов за неимением лучших идей мобилизовали котов. Мой кот еще помнит запах людей, он внутренне был готов. Смотрел в окно и ждал у дверей, как принято у котов. Он встретил радушно этих дверей, точнее этих скотов. Они пришли и ушли скорее, без глаз, ушей и ртов. И у нас французская версия... Et donc la version française sur la page suivante. Merci. Une fois venu à court d'enfants, on réfléchit et on chercha. Faute de flics et d'autres agents, on fit mobiliser les chats. Mon chat savait l'odeur du sang depuis longtemps à la datcha. Il s'entraînait, se tapissant. On sait comment ils font, les chats. Mon chat flingua tous ces brigands, ces fumiers, tous ils les amocha. Il venait et fichait le camp sans les boulieux qu'il arracha. Je vais rajouter quelques mots, permettez-moi, donc sur ce texte. Alors, de quoi il parle? Je ne sais pas. Je pense qu'il parle de l'absurdité de la logique du régime de Poutine, bien sûr, et c'est peut-être pour ça aussi que je l'ai sélectionné. Mais je pense qu'il Il parle aussi d'un rêve d'une résistance sans conséquences, sur, comment dirais-je, sur une utopie, disons. Donc j'oublie les mots même en français maintenant. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que les textes qui me touchent particulièrement sont les textes qui ne parlent pas directement ou ouvertement de la guerre, mais qui, disons, parle de quelque chose d'important, d'une manière détournée. Et Yevgeny Nikitine, peut-être qu'il est en train de nous écouter sur Zoom ou sur YouTube, il est un observateur très important de ce processus créatif de notre temps, du présent, dans la littérature russe. Et je pense qu'il sait à quel point il est difficile, impossible, de parler de la guerre d'une façon détournée. Et donc, bien sûr, c'était pas facile de traduire ce texte, puisque pour un traducteur français, c'est très intéressant de le traduire justement à cause de cette présence de ce mot « chat ». Donc, si vous avez déjà essayé d'écrire des poèmes en français, peut-être que vous vous êtes rendu compte qu'il n'y a pas grand-chose qui rime avec le mot « chat ». Alors qu'il était important de garder ce mot « chat » à la fin de la ligne, parce que c'est un mot qui est essentiel ici, qui a un rôle crucial. Donc, j'ai été obligée de changer un petit peu, de modifier les phrases. Et je pense que mes collègues vous en parleront aussi. Et ce qui est important aussi pour moi ici, c'est que ce travail... était une sorte de méditation, en fait. Quand tu traduis des textes aussi durs, aussi sombres et effrayants, parfois, la traduction de poésie, c'est aussi une manière d'y échapper. Parce que tu lis le même texte plusieurs fois, tu réécris ce texte plusieurs fois, et en même temps, tu es pleinement impliqué dans ce processus.
et du sujet dont parle le texte, et en même temps, tu es dans un autre espace parallèle. Voilà, désolée, j'ai beaucoup parlé, mais je vais maintenant passer la parole à qui? À Alexis? Qui est le suivant alors dans la présentation? Donc la slide d'après va nous le dire, parce que je crois que j'ai rajouté les textes d'Alexis, parce qu'il va nous lire trois textes, si je ne me trompe pas. Donc Alexandre Kozitsky qui soupire, et François Devers qui travaille sur la transmission en direct. Et je vais également profiter de cette petite pause pour remercier nos interprètes Anna Survegina et Ina Khmelnitskaya, et Denis Demin à la caméra, et Anna Smirnova à la caméra également. Bonsoir, merci beaucoup tout d'abord pour cette invitation. Merci à Antoine pour m'avoir impliqué dans cette aventure, nommée la version française de Roar. Donc, je ne sais pas, moi dans ma tête, moi j'ai tout préparé en français. Non, il faut que je parle en russe. Ok, laissons les interprètes travailler alors. Ok, donc Roar, c'est... Souvent, on pense que ce sont des textes qui ont été écrits au moment de l'invasion ou juste après. Mais en fait, il y a eu des textes publiés à Roar qui ont été écrits avant cette invasion, dont ce texte que j'ai traduit et que j'ai, sélectionné, donc qui a été écrit en 2021, je crois, donc qui a été publié dans Aldébaran. Et ce texte a été sélectionné pour Roar puisqu'il il est tout à fait en accord avec tous les sujets et toutes les thématiques de cette publication, les sujets qui lui sont importants. Et donc j'ai bien aimé ce texte, il m'a paru très intéressant puisque dans le petit extrait que j'ai choisi, on parle également de l'Israël. Voilà, donc Alexandre Gounine, La Zone. C'est une pièce qui a été écrite après un atelier, je crois, d'écriture, de texte dramatique. Oui, merci. Donc, un atelier de Martha Reisses. Et donc le sujet principal de cette pièce, c'est Shaman Gabishev. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, ça date de 2018-2019. C'est un chaman qui est parti de Sibérie pour aller à Moscou et pour faire chasser les démons qui occupent la tête de Poutine. Et si vous n'êtes pas au courant, donc aujourd'hui il est, pour ainsi dire, emprisonné dans un hôpital psychiatrique. Itakov. Mes études sur les mystères dramatiques, les psychotechniques modulaires, les programmes psychoactifs, la respiration holotropique et le yoga ont été le fil d'Ariane qui m'a guidé vers la découverte de la matrice de la créativité. Je suis l'auteur de plusieurs livres, dont le best-seller Apollon et Dionysos, Insanité contrôlée. Avec mon ami et confrère, le chaman Nara, nous avons développé des ensembles d'ateliers pratiques sur la création consciente, sur l'activation de la zone. Parlons de ce qu'est un récit. D'où vient-il? Chez les Juifs de l'Antiquité, les maîtres des livres, il existe une légende révélant ce secret. Il y a fort longtemps, quand un rabbin avait besoin d'accomplir une tâche importante, il allait dans la forêt. Il trouvait un endroit particulier et allumait un feu. Il prononçait des prières. Et ce qu'il avait souhaité s'accomplissait. Des générations plus tard, quand un rabbin avait besoin d'accomplir une tâche importante, il allait également dans la forêt. Il y trouvait l'endroit particulier, mais ne savait plus allumer de feu. Et il disait, nous ne savons plus allumer de feu, mais nous savons prononcer des prières. Et tout s'accomplissait selon son souhait. Quelques générations plus tard, un rabbin alla aussi dans la forêt. Il y dit, nous ne savons plus allumer de feu,
nous ne savons plus prononcer de prière. Mais nous connaissons cet endroit dans la forêt, cela devrait être suffisant. Et cela fut effectivement suffisant. Bien plus tard, de nos jours déjà, le rabbin n'est même pas sorti de chez lui. Il a dit, nous ne savons plus allumer de feu, nous ne savons plus prononcer de prière, et nous ne savons plus où est cet endroit dans la forêt, mais nous pouvons raconter une histoire qui parle de tout ça. Et une fois de plus, cela a été suffisant pour réaliser ses souhaits. En s'éloignant de la source, du mystère, l'humanité ne perd pas son lien au secret, le lien qui, par l'intermédiaire des miracles du récit, vient de là-bas, à l'auteur, de là où les manuscrits ne brûlent pas, de la forêt de Dante. Le récit et la littérature, c'est le souvenir de ce feu qui a existé. Nous avons tout perdu, mais il nous reste le lien. Aujourd'hui, le narrateur, je le comparerai à un DJ, est banal dans sa majorité. Il régurgite simplement ce qu'il a vu dans sa propre interprétation, c'est-à-dire qu'il n'est plus illuminé par les flammes de ce feu, de ces mystères, de cet endroit, de cette forêt particulière. Les récits ne changent rien, ils ont cessé d'être magiques. Merci, bon. Merci beaucoup. Merci. Julie Bonin. Переводчик и... Donc Julie Bonin, traductrice, et ma collègue de Bulac. Donc les lecteurs de notre bibliothèque la connaissent. Bonsoir. Oui, donc moi je suis une collègue de Aglaé et je suis en train de terminer mes études de master en traduction littéraire ici à l'INALCO. Et donc dans le cadre de mon mémoire, j'ai étudié, j'ai traduit de la poésie anti-guerre. La plupart de ces poèmes, je les ai trouvés dans des revues qui sont accessibles justement à Bulac. Merci encore pour Aglaé pour eux. Et j'ai également suivi les projets en ligne et surtout les numéros de Roar. Donc chaque numéro est toujours très riche et malheureusement ils contiennent trop de textes tellement intéressants pour que j'aie le temps de tout traduire. Donc ma sélection comprend 5 poèmes venant de Roar, dont Les lois en temps de guerre, que je vais vous lire maintenant. Il a été écrit par la poétesse israélienne Gali Dana Zinger. Il est daté du 2 mars 2022. Et il a été publié dans le premier numéro de la revue. Военного времени. Запрещено говорить война. Запрещено говорить вой. Запрещено говорить на. Запрещено говорить. Запрещено выть. Запрещено быть. Война запрещена и мир. Ну, пока. И pendant que les russophones peuvent réfléchir à la manière dont ils pourraient interpréter et traduire ces textes dans les différentes langues qu'ils parlent, je vais vous expliquer quelles étaient les tâches de la traductrice pour ce texte. Donc tout d'abord, le mot russe «война», guerre, peut être divisé en 2 parties. Donc «voy», c'est un cri, un hurlement. Et na est une position qui est insultante pour les Ukrainiens, puisque si on dit na Ukraine au lieu de v Ukraine, c'est considéré comme un signe que l'orateur est un impérialiste russe. Donc le premier problème est donc de trouver dans le mot français guerre des significations similaires liées à ce conflit en cours. Le deuxième problème concerne le dernier mot, mir, la paix. Donc cette lettre I, qu'on ne voit plus sur l'écran, donc la lettre qui est appelée I décimale, n'existe plus dans l'alphabet russe aujourd'hui, mais il existe toujours en ukrainien. Et bien que mir s'écrive de la même façon dans les deux langues, moi j'ai trouvé pas mal d'exemples où cette lettre ukrainienne est utilisée comme un signe de soutien à l'Ukraine. Et donc ce mot mir, la paix, il ne s'agit donc pas ici de la
paix russe, ou du monde russe, que les autorités russes prétendent apporter à la population du Donbass. Donc cette lettre ukrainienne ici montre qu'il s'agit d'une véritable paix selon les conditions des Ukrainiens. Et là, je vais vous lire la traduction. Tu peux montrer la slide suivante, s'il vous plaît. Merci. Les lois en temps de guerre. Il est interdit de dire « guerre ». Il est interdit de dire « gre ». Il est interdit de dire « ue ». Il est interdit de dire. Il est interdit de mugir. Il est interdit de vivre. La guerre est interdite et la paix. Donc, pour traduire le mot « mir », j'ai choisi une approche graphique, une technique graphique, pas la lettre « i », mais les couleurs du drapeau ukrainien. Et quant au mot « guerre », il s'est avéré que le mot français, on peut le diviser aussi en deux parties. Les voyelles représentent l'UE, donc l'Union européenne, et les consonnes, gr, c'est une onomatopée pour le rugissement. Il s'agit donc d'une traduction du nom de la revue Roar, en même temps. Donc, si de votre côté, vous avez... Si vous, vous avez d'autres idées, d'autres propositions pour ces deux petits problèmes, n'importe quelle langue, vous n'hésitez pas à nous en faire part à la fin de cet événement. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Merci. Так. Нет, без микрофона не. Non, ça ne marchera pas sans le micro. Donc on aura la slide, oui, effectivement. On peut passer ça. Oui, merci. Donc moi je vous présente un tout petit poème de Daria Serenko. Je vais vous dire qu'il n'y aura pas d'introduction parce que Dasha a déjà beaucoup parlé. Et Sampisdat, effectivement, la maison d'édition Sampisdat ont publié son premier livre en français, Les filles et les institutions. Et donc ce poème, je l'ai traduit, même si je ne suis pas traductrice de poésie, et c'est très compliqué pour moi. C'est compliqué pour tout le monde, bien sûr, mais pour moi particulièrement, parce que c'est pas quelque chose que je préfère. Mais j'ai toujours voulu donc traduire ce poème. Je vais vous lire l'original et la traduction. Сок, даже в полі колосок, каждый день тебе пророчит пулю в лоб или в висок. Чтоб ты сдох, поет река, чтоб ты сдох, бежит строка. Ее выложили в небе золотые облака. Птички, небо голубое, это все мое родное. Ну а ты и после смерти не найдешь себе покоя. Ай, люли, да ай, люлю, хорошо у нас в раю. Тут воскресшие олени кровь пьют мертвую твою. Pourquoi ça a été difficile pour moi? Parce que c'est un poème pour tout lecteur russophone, est une référence à un poème de Vladimir Orlov qui est connu par le film Brat 2, le frère 2. Et retrouver un poème pareil en français, il est impossible. Il n'y a pas ce genre de poème dans la poésie française. Donc j'ai dû m'appuyer plutôt sur le rythme que sur cette intertextualité. Je vais maintenant vous lire la traduction. À la mort de Poutine, et l'herbe folle et la forêt, et même l'épi dans le pré, tous chaque jour te promettent un tir de balle dans la tête. Mais crève enfin, chante la rivière, mais crève enfin, s'enfuit le ver. Dans le ciel, il est dessiné avec des nuages dorés. Le bleu du ciel et les oiseaux, je suis ici parmi les miens. Toi, tu n'auras pas le repos, même quand tu seras défunt. Atralala, atralali, qu'il est doux notre paradis, où les reines ressuscitées boivent ton sang de trépassé. Comme j'ai déjà dit, cette traduction a été très dure pour moi. Et donc, je serai très ravie de toutes les propositions qui permettront de l'améliorer. Merci beaucoup.
beaucoup. Merci. Et nous avons encore Alexei. Très bien. Je suis ravie d'entendre ces textes et d'entendre aussi de les entendre aussi en français. Ça nous donne cette sensation de volume, de cette richesse qu'on peut retrouver chez Roar. Donc le texte suivant, pour moi, il est intéressant pour plusieurs raisons. Il est intéressant pour moi en tant qu'étape de la vie et en tant que l'étape de travail. En tant que l'étape de la vie, c'est le dernier ou peut-être entre les derniers que Asia Voloshina a publié sous ce nom-là. Elle s'appelle Esther Ball aujourd'hui. Ce n'est pas un nouveau pseudonyme, un nouveau nom de plume, tout simplement. Elle a changé d'état civil en arrivant en Israël. Et c'est très intéressant que dans ce texte, elle, d'un côté, utilise les fragments de l'une de ses pièces déjà écrites, et de l'autre côté, vous pouvez avoir la traduction qui est parue récemment dans la Maison d'Europe et d'Orient de la pièce Crime, donc la pièce d'Esther Ball traduite par Gilles Marel. Et si vous lisez attentivement ce texte, vous allez voir qu'un petit morceau a été pris là pour être intégré dans sa nouvelle pièce. Et aussi toutes ces réflexions sur Gogol, sur le diable, sur Poutine, cela revient. Donc là, elle les développe, elle ajoute quelque chose. Ce n'est pas très important finalement. Ce texte a été écrit donc après les événements de la fin mai au Daghestan, quand une fille, lors de la soirée de promotion, a crié ouvertement « Poutine est un diable ». Petite fille criait « Poutine est le diable », je me suis soudain rappelé de ce diable, c'est-à-dire ce diable-là, celui-là justement qui est lui. Il est décrit chez Merezhkovski. Merezhkovski, dans son œuvre « Gogol et le diable », indique le modus operandi du diable, son modus operandi et son rêve. Mais d'abord, esquissons le portrait. Merezhkovski écrit que Gogol a été le premier à voir le diable sans masque, à voir son véritable visage, effrayant non pas par son extraordinaireté, mais par sa banalité, son obscénité. Le premier à comprendre que le visage du diable n'est pas lointain, étranger, bizarre, fantastique, mais ce qu'il y a de plus proche, de familier. Un visage véritablement humain, trop humain. Le visage de la foule, un visage comme tout le monde, notre propre visage quasiment, dans ces instants où nous n'osons pas être nous-mêmes et consentons à être comme tout le monde. Notre propre visage quasiment. Une épithalame à l'impersonnalité, achève André Belli. La manifestation du lieu commun circulaire. Et il ajoute, la fadeur frappe la conscience avec éclat. Tu lis tout ça et devant tes yeux, ses traits s'étalent sur la crêpe jaune de son visage. Son sourire immonde s'épaissit. Donc alors, le rêve du diable, cette diablerie de rêve, non, encore une chose. Il faut rappeler probablement que ce diable-là, celui dont la force n'est pas dans la finesse et la profondeur, mais dans la bêtise et la platitude, dans l'obscénité de toutes les pensées et sentiments humains, non pas dans ce qu'il y a de plus grand, mais dans ce qu'il y a de plus petit, ce diable-là, mis au monde par Gogol, Merezhkovski le voit dans deux pôles, deux incarnations, deux hypostases, dans Tchitchikov et Khlestakov. Le principe du mouvement, du progrès prédomine chez Khlestakov. Chez Tchitchikov, ce sont les principes d'équilibre, de stabilité. Pour Khlestakov, tout ce qui est convoité est réel. Pour Tchitchikov, tout ce qui est réel est convoité. Khlestakov est un idéaliste, Tchitchikov un réaliste. Khlestakov est un libéral, Tchitchikov un conservateur. Khlestakov, c'est la poésie. Tchitchikov, la vérité des réalités russes de son temps. Mais en dépit de cette contrariété évidente, leur essence secrète est la même. Je vous invite dans cette partie à ressentir un petit plaisir de reconnaître, un plaisir long d'un paragraphe, de savourer la coïncidence,
de relire la citation de Merejkovski ci-dessus, en vous imaginant, sans vouloir vous commander, ce diable raffiné du début des années 2000, le diable successeur, l'inconnu de Saint-Pétersbourg, et le diable empoté, septuagénaire d'aujourd'hui, trônant sur les âmes mortes. Continuons, imaginons. Et l'essence des deux est l'éternel milieu, ni ceci ni cela, l'obscénité parfaite. Lestakov prémédite, Tchitchikov exécute. Le fantastique Lestakov devient responsable des événements russes les plus réels, alors que le réel Tchitchikov est responsable de la plus fantastique des légendes russes. Ce sont, je le répète, deux visages russes modernes, deux hypostases d'un mal éternel et mondial. Je crois que je fais exprès de traîner avec la conclusion évidente. Comme des visions titanesques, comme des horreurs décrépites aux visages affligés, lui sont apparus, à Gogol, seulement deux héros de notre temps. Deux bogatirs, nés des espaces russes infinis, Khlestakov et Tchitchikov. La conclusion est simple. La Russie a attendu son heure. La Russie a dégénéré. Khlestakov et Tchitchikov sont le Charybde des Scylla de la vie russe. Deux pôles du diable, il en a fallu deux à Gogol malgré son génie. Pour que le diable oscille entre les deux, se balance sur sa balançoire, en restant à tout prix un obscène milieu. Même Gogol n'a pas pu en créer d'unique, un qui pourrait contenir le diable tout entier. Et voilà que la nature, et voilà que la Russie l'a créé. Un hybride de référence, un vaisseau idéal, l'obscénité une et indivisible, et le fait régner sur soi, et l'aime d'un amour mortel. Merci. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre ces textes en français ? Alors, je ne comprends pas le français. Redites-moi ça en russe, s'il vous plaît. Est-ce que j'ai dit en français ? Oui. Pardonnez-moi. Tout va bien, mais juste répétez-moi ça, s'il vous plaît. Quel est donc votre sentiment quand vous entendez ces textes en français ? Ma première pensée, c'est que ce n'est pas moi qui devrais me trouver dans cette salle, mais l'auteur, les auteurs, parce qu'il s'agit du sentiment de l'auteur. Je pense déjà à comment je pourrais faire de façon que l'auteur voit cela. Je vais envoyer le lien, mais bien sûr, c'est plus par rapport à l'émoi, c'est plus par rapport au sentiment que par rapport au texte. Je crois que nous avons peut-être 20 minutes pour les questions, et j'espère que vous avez les questions. S'il le faut, je m'approcherai avec le micro. Donc, il y a une première question déjà. Cher Lénore, avant tout, nous sommes très contents de vous voir à Paris. Merci de venir jusqu'à nous. Et je vous demande de m'excuser tout de suite. Je voudrais poser la question qui ne concernerait pas Rohar, mais qui concernerait Bobo. Je n'avais pas... je ne m'imaginais pas ce que vous avez fait à partir du mois de mars 2022. Moi, par exemple, j'ai perdu la capacité de lire quelque chose pendant longtemps. Je comprends à quel point c'est difficile de lire des textes d'autrui qu'on ne choisit pas soi-même. Et alors, d'où vient le bobo ? D'où viennent les forces ? Comment avez-vous pu combiner ces deux activités tellement différentes au même moment ? Merci beaucoup pour vos mots gentils et pour votre question. Si je savais... Alors, la machine qui écrit des vers, elle s'est éteinte
Donc, la machine qui écrit des vers en russe, celle qui écrit des vers en hébreu, s'est éteinte après le 7 octobre. Cette machine s'est rallumée il y a 3 jours. Et c'est pour une raison très particulière que ce n'est pas pour la publication. Tandis que Bobo, je ne sais pas à vrai dire. Mais la machine qui écrit la prose en russe continuait à marcher. Elle marche de plus en plus mal. Aujourd'hui, elle marche de plus en plus mal. Là, je vais finir le livre en russe pour les ados, Venisana, et je sens, je la sens tomber en panne. J'espère que cette machine pourra encore terminer ce roman pour les enfants. J'ai écrit aussi après le Bobo le cahier d'Ekaterina Sourova. Et donc là, je ne sais pas si cette machine travaillera encore, mais le livre à venir, l'idée de ce livre, je l'ai en anglais. Alors, je ne voudrais rien dire, rien promettre, tout simplement, je ne sais pas comment ça continuera à marcher, mais ça s'est écrit quand même, avec une énorme émotion, mais ça s'est écrit, je ne sais pas comment. Et comment j'ai fait pour combiner ces deux émotions, ces deux créations, c'était normal. C'est-à-dire la lecture de mes collègues, ça m'a toujours aidé à écrire. Ça, j'ai toujours arrivé à combiner ces deux choses. L'une n'empêchait pas l'autre, mais plutôt le contraire. Merci, et je voudrais ajouter que dans le Bulac, Bobo est déjà dans les rayons et nous avons commandé le cahier d'Ekaterina Sourova. Est-ce que vous avez d'autres questions? Si vous n'avez pas de questions, c'est tout à fait OK, parce que je n'aime pas, donc j'ai toujours peur d'être la personne qui attend avec peur qui sera la première à être appelée au tableau. Et donc je voudrais remercier le Bulac, la bibliothèque Tourguenev, la fondation Zimin pour m'avoir invité. C'est très important pour moi d'être là aujourd'hui. Merci à tout le monde qui sont venus aujourd'hui et grand merci à l'équipe des traducteurs. Je ne pourrais pas exprimer à quel point c'est un honneur pour nous, à quel point c'est un joie. Et merci beaucoup Aglaya pour vos questions et pour permettre cette intervention d'aujourd'hui. Alors merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous, d'avoir partagé toutes ces choses avec nous. Ça restera dans l'histoire de la littérature russe, russophone, c'est tout à fait évident. Quand la Fondation Zimin et moi, nous avons pensé à vous inviter, c'était tout à fait évident. C'était évident que la conversation serait intéressante et j'espère que cette conversation a été aussi intéressante pour vous. Voilà, et je voudrais remercier plusieurs personnes. Donc, pour avoir aussi permettre la diffusion sur la chaîne YouTube. Donc, nos interprètes synchronisés. Merci. Anna Sourovegina et Nakmelevskaya. Pour nous, c'est très important justement de nous ouvrir et de parler de cette culture. De cette culture russe de résistance qui existe. Et c'est l'un des moments les plus importants de dire que s'il vous semble que la Russie se tait, ce n'est pas vrai. Et même Gertsen, qui dans son discours écrit que la Russie est muette, finit par écrire sa cloche qui va ébranler toute la Russie. Malheureusement, on vit aujourd'hui la vie culturelle très animée des années 20. Nous trouvons aujourd'hui des rimes, nous trouvons, et nous espérons que nous aurons aussi la possibilité technique de briser cette frontière. Et nous espérons
que vous cesserez au plus vite de publier le Roar et vous vous occuperez quelque chose qui sera plus intéressante pour vous. Merci, venez à la bibliothèque, soutenez-nous, suivez-nous sur les réseaux sociaux et donc à bientôt déjà dans la prochaine saison dans les murs de Boulak. Merci beaucoup.